suivez à chaque fois et abonnez-vous sur la chaîne Rema Lusamba TV officielle. Abonnez-vous sur la chaîne Rema Lusamba TV officielle. Ce sont des malades que nous avons avec. C'est sous le thème Les cancers de l'enfant est une réalité que différentes organisations et associations intervenant dans la santé des enfants, les parents, les membres du gouvernement et plusieurs autres partenaires ont été réunis pour être sensibilisés sur l'existence et les dangers du cancer des enfants. Selon Jolie Piame Badi, fondatrice de la Fondation NOA, la population doit comprendre que le cancer chez les enfants est une réalité d'où il faut être informé pour mieux les prévenir. Ensuite, elle précise qu'il était aussi important de sensibiliser les autorités pour réduire les frais des soins de santé pour les enfants souffrant du cancer. Parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup de cas de cancer. Les gens ne sont pas vraiment sensibilisés. C'est ça notre objectif. Nous sommes là pour sensibiliser et deuxièmement pour créer une pharmacie solidaire Fondation NOA. J'adresse un bon message aux femmes d'être très fortes, d'être éveillées. Parce que lorsque nous voyons des enfants tomber malades, parce que c'est nous les femmes qui sont, nous sommes toujours avec les enfants, on doit être vraiment éveillés et très, avoir beaucoup de courage. Signalons que la Fondation NOA compte mettre en place en province du Sud-Kivu une pharmacie solidaire qui offrira des produits accessibles même aux familles vulnérables ayant des enfants qui souffrent du cancer. Février, c'est la journée internationale du cancer des enfants. Sur ce, la Fondation NOA a décidé de sensibiliser les parents sur la réalité de cette maladie. Gunguna Orphelina soutient la Fondation NOA. L'ASBEL Caviar et le groupe Caviar du Congo soutiennent la Fondation NOA. La coopérative de travail Femmes et Enfants Dynamiques soutient la Fondation NOA. L'ASBEL Neima soutient la Fondation NOA. L'ASBEL Jefaya, le groupement des femmes africaines inspirantes et actives, soutient la Fondation NOA. Dans son combat quotidien, dans la lutte contre les cancers des enfants le 15 février 2022. Particulièrement, nos enfants de Bukavu. Ainsi, merci. Merci de tout cœur pour vos gestes et élan de solidarité afin que ces enfants vivent sans le cancer.